Regardez ce cafard, comment il le farm. Oh non! Mais non! Qu'est-ce qu'il a fait? Salut à toutes les truites et truitesses, j'espère que vous allez bien. C'est Cénor 9, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Brawl Stars avec au programme un funny moment de Brawl Moment. Comme d'habitude, vous avez sa chaîne en description, donc je vous invite à faire péter les abonnements. Pareil pour la barre des pouces bleus sur cette vidéo, objectif 6666 pouces bleus. Si on passe cet objectif, on se refait un épisode et au programme de ce funny moment, un fléau sur Brawl Stars, les amis. On va avoir du trichoc, des moments skillés, mais également des tricheurs, les amis, les tricheurs sur Brawl Stars, un véritable fléau en solo. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous croisez régulièrement des tricheurs? Moi, pour ma part, pour être honnête avec vous, c'est de plus en plus rare que je croise des tricheurs. Après, je suis pas à très très haut trophée. Je sais qu'à très très haut trophée, c'est vraiment un cancer. À plus bas trophée aussi, surtout quand c'est les mêmes brawlers, je trouve ça révoltant. Deux Léons qui font team ensemble contre un Mortis, tout simplement parce qu'ils aiment pas le Mortis, ou plusieurs Shelly. Dites-moi en commentaire en tout cas si vous croisez régulièrement des tricheurs comme ça. Et c'est parti pour ce funny moment des Brawl Moments. Je rappelle sa chaîne en description. La barre de pouces bleus, vous me l'explosez. Ah, oh, c'est l'ulti dans le vide, c'est ça? Ok, ça commence sur un très bel ulti dans le vide, d'accord. Petite intro des familles. Je rappelle sa chaîne encore une fois en description. Oh, la poli qui va bait avec son ulti. Oh. Oh non, what? Ça passe. Ok, ouais, c'était un moyen d'esquive le primo. Ouais, j'avoue, c'est pas mal, c'est bien pensé. Heureusement qu'il light. Oh, le R4 qui a bien utilisé sa valise, malheureusement. Oh non! Ça, ça m'est arrivé tellement de fois, les gars. En duo survivant, tu lâches le téléphone quand t'as tué le gars parce que tu penses que t'as fini avec ton pote, c'est pareil. Et tu vois le gars qui ripop, et au moment où tu t'en rends compte, c'est trop tard. C'est, voilà, ça c'est l'histoire d'une vie. J'ai pas suivi ce moment, retour en arrière. Parce que vous étiez beaucoup à me reprocher de pas bien suivre les actions. Alors on a un petit primo qui fight la Jessie. Oh non, et déjà d'une part il a auto-shoot. Oh, il tue la Jessie, la auto-shoot ulti. Quelle erreur! Alors qu'il avait des énergies juste en haut. Quelle erreur, erreur de débutant. Il n'a pas compris le but du jeu, les gars, je crois. Non mais... Mais qu'est-ce qu'il fait ce mongol? The main, la main. Oh non. Regardez. Mais non. C'est trop stylé. Sincèrement, est-ce que vous jouez à Brawl Stars avec un gars comme ça? C'est mort, moi j'ajoute même pas en ami hein. J'en veux même pas dans mon clan. Oh non. Ils ont tué la main. C'était épique. C'était épique ce montage. Oula. Oh le grab. Oh. Ça c'est un play qu'on adore. Viper, je te mange la saucisse. Putain, et ça fait top 1 derrière hein. Et ça fait top 1 grâce à ce play. Ça sent le trickshot. Ah non. Totalement raté. Trickshot. 3, 2, 1. Oh. C'est pas mal. Ok. Non, c'est validé. C'est validé. Moi mes trickshots. Oh non. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Regardez ce cafard, comment il le farm. Oh non! Mais non! Qu'est-ce qu'il a fait? Ok, c'était la fin du chrono du chasseur d'étoiles. Je comprends, hein, j'essaie de comprendre le temps que ça monte à ma tête. Donc c'était la fin du chrono de chasseur d'étoiles. Il a essayé de se choper l'étoile, mais il est complètement nul. Attendez, attendez, c'est quoi ce délire? Ok, il y a la Shelly qui fight. Ok, ils se sont entretués. Désolé, j'ai revisionné, j'ai pas tout compris. Je suis un peu un mongol hein. Hashtag mongol en commentaire. Joli ça, Mister Jimbo. Mais non. Oh non, par contre, pourquoi il l'a tiré? C'est tellement dommage qu'il l'ait tiré, il aurait pu marquer free. Oh, le trickshot. Il était incroyable ce trickshot. Ce trickshot était incroyable. Il fait quoi lui? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui va se passer? Mais il va mourir. Elle aurait coché, il meurt 100%. J'ai hâte de voir la suite de ce To Be Continued. De rester jusqu'au bout d'ailleurs, code créateur Cénor 9. Même s'il n'existe pas sur Brawl Stars, il existe sur Fortnite. Et quand il existera sur Brawl Stars,
je vous tiendrai informé, mes petites truites. Donc ça sert à rien de spammer l'espace commentaire. Au calme, mes petites truites, au calme, il arrive ce code. Supercell, s'il vous plaît. Priez d'ailleurs pour moi. Oh, il est bugué parce qu'il n'y a pas d'ennemis. C'était pas mal ça. Pendant que je racontais ma vie. Oh. Le Poco, il veut pas d'ail. Oh, il est entouré de mine, regardez. Mais non. Poco! Poco! Unola! Et ce Poco est un génie, je veux le recruter dans ma team e-sport! The Ombre. Oh! Il y a l'ulti derrière. Une pépite. Je le recrute dans ma team ou je joue en duo avec lui, peu importe. Le gars, il est placé, tu sens qu'il va faire un trick shot dégueulasse quand il est comme ça et qu'il bouge pas. Je sais pas si c'est l'avantage de Léon. Envy heal. Oh le bâtard! Il a l'Envy heal! Regardez-le ce génie! Par contre, il aurait pu s'éloigner pour le prendre en traître. Ça passe crème. Et je suis sûr qu'à ce moment, le Daryl, il comprend pas ce qui se passe. Ah, c'est ouf. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il troll. Oh non. Oh le Léon! Le Léon truite, les gars, qui fait le travail ici en sous-marin, magnifique. Jamais troll, les gars, vraiment. Oh! Oh, le grab d'une vie! Avec la petite musique, déchire ce remix. Que je passe souvent en début de mes lives pour les habitués des lives, ils connaissent. Oh, joli. Eh, le sous IQ là, il a l'air énervé. C'est SQ. Oh, son pseudo, j'arrive pas à le lire. Et c'est le top 1. On est avec Blue Prefer, qu'est-ce qu'il va nous faire le Brew Effect. C'est pas du tout Blue Effect. Ok, le premier kill. Ah, mais arcade avec la balise, les gars. C'est terrifiant. Ça fait tellement de dégâts. Oh, la tourelle. La poly. Ok. Ça touche. Oh, joli le kill. Par contre, attention à la chaîne. Il faut pas la laisser ramener. Magnifique. Roy. Pas mal, le petit Roy. C'est le petit moment un petit peu skill. C'est pas mal, j'aime bien. Joli, eh, le petit carnage de... Oh putain, dommage qu'il rate cette balle. Oh, joli le petit décollage. Il récupère deux gemmes en plus. Oh, toutes les gemmes sont à droite. Je suis sûr, c'est lui, ça va être l'homme du match. Vas-y, va les chercher. Et non, c'est le poteau Penny qui vient récupérer ça. Oh, il meurt malheureusement sur la fin. Mais il a fait le taf pour l'équipe. Oh, le chien. Oh, joli ça. Je sais pas si le chien lui a explosé à la gueule. J'ai pas l'impression. On avait Kron Castor. Oh, heureusement l'ulti. Il a encore l'ulti. Il va faire la doublette là. Pas encore. Le dash. Il attend la recharge. Boum. Oh, il va mourir le Poco aussi. Putain, quand c'est un carnage comme ça en prime, tu kiffes. D'ailleurs en commentaire, tiens, j'ai une petite question pour vous. Vous dites prime ou prime? C'est une question que je me suis souvent posée. Et moi pour ma part je dis prime. Et là je me réhabitue à dire prime, un peu à la française. Par contre, là, la poly, elle est un peu dans le caca. Hein. Faudrait qu'elle esquive le Daryl pour qu'elle le laisse aller dans le poison. Ce serait le plan. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle fait ça? Oh, putain, fallait... c'était osé. Hein. Ok, Thor. Joli. Eh, hey, pour gérer un Mortis, il a l'ulti. Hein. Maintenant. Ah, moi, j'aurais lâché... Oh, il l'a pas touché. Oh non, comment il va gérer ça? Oh putain, il est bon parce que c'est très dur de viser à ses pieds avec le petit dynamite. Moi pour ma part, j'ai énormément de mal à viser à mes pieds. À chaque fois, je galère et je tire pas en fait. C'est juste, j'annule mon attaque et du coup, je me retrouve à pas attaquer corps à corps. C'est vraiment un petit coup, un petit doigté à prendre, un petit entraînement. Bien joué de la part du Léon. Attention, le trick shot d'une vie. Oh, joli. Juste avant de prendre le stun hein. Nova Mito. Ah, qu'est-ce qu'il fait le petit Sam Dagrit là? Il est encerclé. Il est un peu dans le caca. Oh, ah, c'est bien joué là comment il chope le Léon. Il s'échappe direct. Oh non, regardez les Léons, il faut team. Les Léons, il faut team. Voilà, montre-leur c'est quoi des tricheurs. On les déglingue nous les tricheurs. Une Ola pour le Mortis. Il y a beaucoup de valeur. Il y a 26 à 15.
Il y a beaucoup d'étoiles à chercher. Oh là là, ils sont tous low. Oh, le Rico d'une vie. Qui remonte la game 31 à 30. À un point. Oh, bah, je play. T'as les Shelly qui trichait encore. Bien joué, j'avais pas vu, elle trichait toutes et elle a réussi à toutes s'en débarrasser. Bien joué. Oula. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi elle a fait ça, les gars? Pourquoi elle a fait ça? 9 kills in solo showdown. Elle vient d'en tuer 2. Elle a la rage, le troisième ici. Attention. Allez, vise bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vise les caisses. Bien joué le petit ulti pour escape. Ça touche une fois, ça touche deux fois. Troisième kill. Enfin, quatrième kill, je crois. Ok, le cinquième. Oh! Joli les mines, je compte plus. Mais elle est en train de faire absolument tous les kills sur ce showdown. What the fuck? Oh, magnifique. Rien à dire. Et on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Mes petites tweets, j'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, bah comme d'habitude, je compte sur vous pour bombarder cette barre de pouces bleus. Dites-moi en commentaire également si vous croisez régulièrement des tricheurs. C'était la tweet, c'est Nord 9. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.